Hey! Oh. Merde. Les gens. Merde. C'est les 26. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Génial. Et voilà. C'est génial. Le roi Arthur a existé. Les chevaliers de la table ronde aussi. Et Excalibur est là, juste devant nous. Ces vieux barbons d'Oxford vont piquer leur crise quand ils vont entendre ça. Il y a encore plus énorme, Alistair. L'Excalibur d'Arthur est une puissante relique qui l'a précédée de plusieurs millénaires. Elle est en 1000 morceaux. Qui a de la colle forte? Quand j'étais au Ghana, je vous ai demandé de chercher la clé Galali. Ça n'a rien donné? Rien dans les collections de feu votre père. Ni dans ses notes. Elle n'était pas au Ghana ou Rutland. Eh, hey, mais dites-nous. J'ai déjà vu ça quelque part, je crois. Attendez. La ressemblance est frappante, non? Ce pendentif venait de votre père. Je me suis toujours demandé d'où il le tenait. Où peut-il être? Dans l'Himalaya. Ma mère le portait sur elle quand. Zip, Alistair, je pars pour le Népal. Merci de faire le nécessaire. Pas de problème. Allez, viens. Pardonnez-moi, Lady Croft, mais j'espérais que vous n'utiliseriez pas l'épée comme madame votre mère. Elle a pris l'épée, ce qui l'a tuée. Je ne compte pas faire la même erreur. Si seulement mon père avait pu voir ça. Il a tant fait pour... Et on l'a haï pour ça. Mais non, pas du tout, Lara. Et c'était quoi alors, de l'amour? Ça a ruiné sa réputation. Il n'y a pas qu'un simple pendentif au sommet de cette montagne. Putain, mais il fait pas beau ou quoi? Moi, je ne vois rien du tout. T'es vraiment sûr que c'est là? Certaines choses ne s'oublient pas. Faut que je fasse quoi en fait? Faut que je meure? Non, je rigole. On se retrouve encore en montagne sans matériel d'alpinisme. La glace et la neige n'ont pas l'air d'être stables. Tu devrais avancer avant que ça s'effondre. Dépêche-toi. J'ai un petit peu l'habitude, tu sais. Je sais plus comment on fait. Ah oui. Sans matériel d'alpinisme. La glace et la neige n'ont pas l'air d'être stables. Tu devrais avancer avant que ça s'effondre. Dépêche-toi. J'ai un petit peu l'habitude, tu sais. Mais j'arrive pas. Mais j'arrive pas, vous foutez de ma gueule. En montagne sans matériel d'alpinisme. Stable. Tu devrais avancer avant que ça s'effondre. Dépêche-toi. J'ai un petit peu l'habitude, tu sais. Alléluia, j'ai réussi. C'est quoi ces trucs de fou? Que j'aille où là? Ah oui, d'accord, ok. Faut peut-être que j'aille sur les trucs là. Je crois que je l'avais pas trop fait celui-là. Le Népal, ça me dit rien du tout. Pourtant, je l'avais fini le jeu, mais.
Tu redescends et tu remontes ailleurs ? Je n'abandonnerai pas si vite. Il va falloir que je trouve un chemin. Normal. J'aime bien le bruit de la neige parce que ça fait exactement ce genre de bruit. On en parle ou pas? Excusez-moi, mais j'étais nickel, quoi. Attendez, faut que j'aille la dernière minute. Putain, mais connasse, tu vas te bouger. Je crois que je vais vraiment galérer pour ce niveau-là. En plus, c'est le dernier, me semble. Je vais vraiment galérer. C'est un des hélicos de Rutland. Je lui ai dit de se mêler de ses affaires et il me suit jusqu'au bout du monde. Il a peut-être mal compris. Tu crois qu'il est là-dedans? J'en doute. Pas s'il peut rester chez lui et se reposer. Tu sais qu'il faut faire ou pas? Non, c'est en bas. C'est vraiment surréaliste. Je me doutais que ça le serait. Bon, je savais pas s'il fallait faire ça, mais c'est pas grave. Ah ouais, d'accord, ok. T'as cru que c'était la fête? Oh là 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 là. Comment tu veux que je descende? Genre, je descends comme ça, YOLO. Ah non, non, il y a ça. T'as peur ou quoi? Attention! Dégage, panthère de merde là. Oh, fais gaffe. Oh, pauvre chou. Ce machin pourrait tomber de la falaise à tout instant. Je le savais avant et je le sais encore. Tout ira bien, Zip. Ne t'inquiète pas. Hé, hey, attends. Si tu entres là-dedans sans mettre un contrepoids au bout. On ne parlera pas. J'étais en train de me demander, voilà pourquoi il fallait mettre ça en fait. Bon, fais gaffe. Tu sais que ce machin pourrait tomber de la falaise à tout instant. Je le savais avant et je le sais encore. Tout ira bien, ça. Ne t'inquiète pas. Hé, hey, attends! Si tu entres là-dedans sans mettre un contrepoids au bout, tu vas tomber de la falaise! Bon conseil, Zip. Je vois que tu veilles sur moi. Et sur une stun! Il signe l'échec. J'ai peur, ça me fait peur vraiment. Genre c'est normal, tu mets un petit bout de truc là. C'est bien ça. Oui. C'est ça. Prends-le, prends-le, prends-le. Merde. La meuf, elle croyait que ça allait se faire tout seul, je. Mais non. Faut que je refasse, putain.
Ok, d'accord. Je sais maintenant. C'est bien ça. Oui. C'est ça. Bien sûr. En fait, c'est que d'habitude, c'est dans le passé des autres que tu fouilles. Là, tu te trompes. Ce n'est jamais que le passé des autres. Bon, il me reste encore une chose à voir. Je n'en ai pas parlé. Qu'est-ce qu'elle va aller voir aussi d'autre là? Genre, moi, personnellement, j'ai mon truc. Elle est obligée de gueuler aussi là. Ah, bah oui, je me suis cassé une jambe. Connasse. J'étais pas censé savoir en fait. Mais putain, mais je voulais. Oh merde. Putain, en plus c'est juste pour ça, mais. Ok. Ok, vas-y, je fais la gueule. C'est bon, je fais la gueule. Mais qu'est-ce que je dois aller? Où est-ce que je dois aller? Voilà, je vois vraiment pas où je dois aller. Hein. Ah ouais. J'étais pas censé savoir que ça allait se casser. Hein. Mais non, mais en même temps, elle veut pas se balancer aussi là. M'énerve. Par contre, j'aime pas du tout ça, tu vois. Bon sang, Lara, c'est fantastique. Regarde ça. C'est une sacrée découverte. T'en avais pourquoi j'ai été là? Non, c'est juste comme ça parce que j'ai envie, tu vois. J'en ai marre, ça me gave. Bon sang, Lara, c'est fantastique. Regarde ça. C'est une sacrée découverte. Je n'aime pas du tout cet endroit. Ne glisse pas. C'est bon. Ouh. Mais what the f... Ah, j'aime pas du tout ce genre de truc, genre... Hey, on est chez le jumeau maléfique du Père Noël ou quoi? Bon sang. Mais non, mais c'est vraiment trop risqué, là. Tout ira bien.
hommes d'Arkland. Je me demandais si... Oh putain, par contre je prends cher là. Par contre là je suis bloquée. Nickel. Attendez. Tu vas pas pouvoir sauter de l'autre côté. Et si tu essayes de nager, tu vas finir en glaçon. Si seulement je pouvais marcher sur l'eau. Je vois pas du tout quoi faire là. Attendez. Parce que si je fais ça... Bon sang, Lara, tu dois être complètement gelée. Tu es sûre que ça va aller? Oh, je ne sens plus mes os. Mon Dieu, il fait un de ces froids. Oh, mais ça va aller. Ça va aller. Je veux pas dire, mais je suis à la maison. Il a l'air de faire assez froid pour se transformer en Yeti. Super, Zip. C'est bon, tu as fini? Désolé. Ils sont méchants. On s'est déjà un peu mieux là. Qu'il n'était pas là la dernière fois. Bon, écoutez les gens, on a eu un point de passage et c'est déjà la fin de notre épisode. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.